C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore après ce long week-end. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de l'économie en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Voilà cette nouvelle édition. Faire un focus sur le projet de loi des finances 2022 qui est revu à la hausse. Nous aurons aussi un dossier avec Benita Mouni. Elle nous parle de la ville-province de Kinshasa qui est confrontée aux inondations post-pluviales en raison de boom démographique. Avant de nous séparer, nous allons bien sûr avoir à noter les différents rendez-vous économiques dans la rubrique Agenda et ce sera des rendez-vous retrouvés dans la période allant du 19 au 23 décembre 2021. Mais avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref. C'est tout de suite. En bref, pour cette nouvelle édition, débuterons avec cette information. L'année 2021 aura été marquée par une mobilisation accrue des recettes extérieures. C'est en substance ce que renseigne le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son discours sur l'état de la nation ce lundi 13 décembre 2021. Au total, 4,5 milliards de dollars américains ont été mobilisés auprès des partenaires extérieurs. Ce qui représente, affirme le président de la République, des records jamais atteints dans l'histoire récente de la RDC. Parlons à présent de la taxe sur le registre des appareils mobiles. À l'issue du contrôle parlementaire relatif à la perception de la taxe sur le registre des appareils mobiles RAM en sigle, recommandée il y a quelques jours par la plénière, les députés nationaux membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale annoncent l'absence de la traçabilité des fonds collectés dans le cadre de cette taxe. Ce qui, en d'autres termes, signifie que les recettes générées par ces taxes n'ont pas atterri dans le compte du Trésor. Ceci pousse déjà certains élus à exiger la suppression de ces taxes illégales. Pour le député national Boris Mboukou, élu de la circonscription d'Idiofa et le président de la commission ECOFIN, qui restituait les travaux de l'examen du projet de loi de finances 2022, le RAM ne figure ni dans le budget général, ni dans les comptes spéciaux et moins encore dans les budgets annexes. Selon le député national, la commission propose la suppression pure et simple et sans délai du prélèvement de RAM sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Autre information, l'inflation nationale de la République démocratique du Congo à la première semaine du mois de décembre 2021 s'est établie à 0,115% contre 0,112% la semaine précédente, soit la dernière semaine du mois de novembre 2021. C'est ce qu'a indiqué la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Malingo Kabedi, lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 10 décembre 2021. D'après elle, la conjoncture économique demeure caractérisée au plan national par la poursuite de la stabilité du cadre macroéconomique sur le fond de la bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires et l'absence d'un troc majeur. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Projeté à 10 milliards de dollars américains par le gouvernement congolais, le projet de loi des finances de l'exercice budgétaire 2022 a été amendé puis adopté à l'Assemblée nationale le samedi 11 décembre 2022. Ce projet de loi des finances a été revu à la hausse, soit à hauteur de 11 milliards de dollars américains. Nous revoilà, nous venons de suivre tous ensemble les nouvelles en bref et nous allons tout de suite passer à la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés où nous parlons spécifiquement des chiffres. Aujourd'hui, nous revenons sur le projet de loi des finances 2022 qui est revu à la hausse. Nous serons aussi bien sûr mis à jour sur le marché de change. Ça sera avec Judith Tounamaka. Suivez. Le projet des lois des finances 2022, nous en parlons aujourd'hui avec vous, Judith Tounamaka. Bienvenue. Merci, Piombo. Voilà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons déjà être mis à jour sur le marché de change. C'est parti. Voilà, pour commencer, nous allons prendre, comme d'habitude, le taux officiel qui est celui de la Banque centrale qui fixe actuellement, depuis mardi d'ailleurs, 1 dollar à 1999 francs congolais, 1 franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro s'aliène à 2262 francs congolais. Pour
ce qui est du marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Riguigny dans cette circonscription. 1 dollar s'aliène à 2000 francs congolais, 1 franc CFA à 3,50 centimes et 1 euro vaut 2350 francs congolais. Voilà, nous allons revenir à présent sur notre sujet principal. Ounamaka, dites-nous à combien le projet de loi des finances de l'exercice 2022 a-t-il été revu? Voilà, projeté à 10 milliards de dollars américains par le gouvernement congolais, le projet de loi de finances de l'exercice budgétaire 2022 a été amendé et adopté à l'Assemblée nationale le samedi 11 décembre 2021. Et ce projet de loi de finances a été revu à la hausse, soit à hauteur de 21 000 milliards 950 francs congolais contre 20 000 milliards 730 francs congolais du projet initial proposé par le gouvernement. Il y a donc des améliorations qui ont été proposées. Quelles sont donc ces améliorations dont vous nous parlez? Selon les explications du président de la commission ECOFIN lors de la plénière, cette commission est arrivée à dégager de commun accord avec les différents services subvisés les améliorations de prévision des recettes de l'ordre de 1 000 milliards 220 719 millions 201 000 francs congolais. Et ce projet a été présenté en équilibre recettes et dépenses. Et comme pour dire que cette commission a amélioré le budget de l'État en y apportant une amélioration de 1 000 milliards 220 719 millions 201 000 francs congolais. Voilà, merci à vous pour toutes ces précisions. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir pour parler chiffres, bien sûr. Et nous allons sûrement nous retrouver prochainement avec le même plaisir. Merci à vous, Piombo. C'est toujours un plaisir. Il est temps d'ouvrir un nouveau dossier. Aujourd'hui, ce dossier nous sera apporté par Benita Mouini. Elle nous parle de la ville-province de Kinshasa qui est confrontée aux inondations post-pluviales en raison de boom démographique. Plus de détails juste après ceci. Jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, Wakati Nakamilika. Tangui Kuki pour la Kimia au Katia Ekolomo Bimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions des morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périssent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui suyés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, Wakati na Kamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia et Kolobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Longona FARDC, la police, Bansol, Lisanga, Totel et Mer. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate.
Le dossier du jour, c'est avec vous, Benita Mouini. Bienvenue. Merci, Piombo. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un dossier avec vous, un dossier relatif donc à la problématique des inondations post-pluviales observées régulièrement dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et cette question a été même abordée lors du 32e Conseil des ministres par le ministre d'État Alexis Gizarro. Et à ce sujet, donc, quelles sont les causes plus précisément donc, qui ont été indiquées, justement, ce qui sont à la base de ces inondations? Alors, au cours de cette réunion de membres du gouvernement, Alexis Gizarro a indiqué que la cause des inondations pour la ville de Kinshasa, une ville conçue pour abriter 400 000 habitants, mais actuellement abritant plus de 12 millions d'habitants, ce qui est déjà l'une des causes. En poursuivant, il y a notamment le manque de mise en œuvre de différents plans d'aménagement, l'urbanisation désordonnée, l'absence d'un système de gestion efficace des déchets dans la ville. Ceci entraîne le rejet des déchets solides dans des caniveaux, collecteurs et cours d'eau. L'irrégularité du dragage de voies fluviales et de curage des collecteurs et des cours d'eau. Il y a aussi l'insuffisance des capacités d'évacuation des ouvrages hydrauliques existants. Et pour finir, il y a aussi le changement climatique. Et face à tout ceci, y a-t-il des propositions, des recommandations ou des pistes de solutions justement pour y remédier? À cet effet, une série de recommandations qui nécessitent de moyens financiers. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du plan d'aménagement de la ville, de l'actualisation de la cartographie du réseau d'assainissement, de la planification des interventions de dragage et de curage systématique sur les réseaux, de la gestion efficace et rationnelle des déchets solides, la mise en œuvre du plan de prévention de risques d'inondation de la ville, le financement des études d'assainissement de la ville et pour finir, une campagne de sensibilisation. Alexis Gizarro a préciser que le service de son ministère s'attelle à finaliser les évaluations des différentes interventions nécessaires pour en chiffrer le coût avec détail de mise en œuvre en vue de pallier à cette situation. Voilà, nous venons de le suivre tous ensemble. C'est tout un cocktail de propositions, de recommandations et nous espérons vraiment qu'elles seront suivies à la lettre et que les choses finiront par s'arranger dans la capitale de la République démocratique du Congo. Nous parlons bien là de Kinshasa. Merci à vous pour ce dossier, Benita. Retrouvons-nous déjà prochainement. Merci, Piombo. Des nouvelles analyses, une nouvelle pensée. On va pousser cette fois-ci notre réflexion plus loin avec Patrick Bomboka qui nous ramène un tout nouveau numéro. Nous allons le suivre dans sa chronique. Bonjour. Le développement de la ville de Kinshasa a été au cœur des travaux du Salon des professionnels de la construction Expo Béton 2021. Qui dit développement de la capitale Kinshasa, dit le schéma d'orientation de l'agglomération kinoise SOSAC. Un schéma évalué à 4,7 milliards de dollars américains et dont la mise en œuvre s'étend dans la période comprise entre 2015 et 2030. Ce projet vise donc à développer les infrastructures nécessaires pour la ville de Kinshasa de manière à faire face à la croissance démographique incontrôlée. Dans le cadre du SOSAC, il est prévu la construction d'une autoroute le long du fleuve Congo. Les coûts de construction de cet ouvrage censé contribuer à la fluidité de la circulation de la capitale congolaise est évalué à 80 millions de dollars américains. Seulement, les différents projets prévus dans le cadre du SOSAC n'ont jamais connu un début d'exécution depuis 2014. Avec près de 15 millions d'habitants et un taux de croissance démographique estimé à 5,1% par an, la ville de Kinshasa pourrait atteindre 24 millions d'habitants d'ici 2030. Au-delà de la croissance démographique, il est observé une concentration des institutions de la ville et du gouvernement congolais dans la seule commune de la Gombe, ce qui entraîne très souvent les embouteillages de la ville de Kinshasa. Pour de nombreux experts, et dans le cadre même du SOSAC, il est indiqué que pour décongestionner Kinshasa, il faudrait envisager la création d'une nouvelle ville ou de plusieurs autres villes dans la commune de Maluku qui occupe 70% du territoire de la capitale congolaise. Merci de nous avoir suivis.
nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change dans la République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sous ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les fêtes de fin d'année se rapprochent et Zoom Mwindi est là pour vous ramener les prix des différents produits du marché. Aujourd'hui, vous aurez droit au prix des vivres frais dans la rubrique Zoom Mwindi. C'est tout de suite. Bienvenue à tous. Le fête de fin d'année s'approche et pour ce nouveau numéro, Zoom Mwindi s'est rendu dans le marché de Kapela, précisément dans la commune de Kalamu, et vous ramène le prix de vente actuel de vivres frais à Kinshasa. Souhaiterez-vous bien manger pendant cette période des fêtes? Découvrons ensemble le prix dans Zoom Mwindi. C'est parti. Nous commençons le marché des jours avec les prix de vente actuels de vivres frais. Le poisson communément appelé Mpio dit 18 plis. Le kilo revient à 4800 francs, 20 plis à 5500. Les cartons de poisson Mpio dit 20 plis revient à 112 000 francs congolais et 30 kilos à 158 000 francs. Mbongo 18 plis à 4800 et 20 plis à 5500 francs les kilos. 13 kilos de poulet en sachet coûte 9 000 francs. Poulet nu revient à 6 000 francs. Un carton de poulet nu revient à 53 500 francs. Un carton de poulet en sachet 10 kg revient à 69 000 francs et 14 kg à 94 000. 20 kg de viande coûte 250 000 francs congolais et 1 kg revient à 14 000 francs. 1 kg de mipandi coûte 6 500 francs, le carton à 63 000 et aussi à 80 000 francs. 1 kg de cuisse aroutie revient à 4 500 francs, le carton à 43 000 francs. 1 kg de makoso à 4 300, le carton à 39 000 francs. 1 kg de ngolo à 5 500, 1 kg de mabundu coûte 6 500 francs, 1 kg de mabumu à 6 500 aussi, et 1 kg de mbanga revient à 7 000 francs congolais. Sans oublier que le carton de makayabu revient à 117 000 francs congolais. C'était un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques retrouvés dans la période allant du 19 au 23 décembre 2021, nous les notons tout de suite dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse. C'est parti. Bienvenue à l'Agenda. Pour aujourd'hui, notons que la formation Masterclass en banque avait débuté le 9 décembre dernier et se poursuit jusqu'au 20 décembre prochain dès 10h à 13h à Kinshasa Gombe, au numéro 178 avenue de l'Équateur. Le frais des participations pour cette session est fixé à 100$. Signalons à présent que le congrès du retour des Afro-descendants et du peuple issu du bassin du Congo a débuté ce lundi 13 décembre 2021 pour se clôturer le 15 décembre prochain à Kinshasa. Autre rendez-vous est à prendre avec Solifère SRL, qui organise un salon entrepreneurial, emploi, financement, coaching. Ce salon se tiendra à Kinshasa ce jeudi 16 décembre 2021. Et pour finir, la 8e édition Tech Noël aura lieu à Kinshasa du 21 au 23 décembre 2021 et aura pour thème
la réduction de la fracture numérique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le partage d'expériences, le vécu quotidien des Congolais, les activités commerciales, nous en parlons dans notre rubrique Article 15, où l'on retrouve bien sûr la débrouillardise. Et aujourd'hui, nous allons suivre ce tout nouveau numéro, ce vendeur de bouteilles qui a accepté de nous partager son expérience. Suivez. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Commerçant, il y a un casier. Emballage vide quoi. Bon, la Oumeli, la Bédéta va 5 ans. Bon, Moussala, la Banakiango, il va venir à Moussou. La Banako, il y a un vanda, Tin, Mouké, 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 n'a comprendre en haut. Bah, il y a un Sengai, le long après la salle, moi, le tour de Barawenge. Pendant ça, on a gagné. À moi, je n'ai pas été gagné. 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 Je n'ai pas été Je comprends déjà que je suis ardent. Je suis en train de me faire un casier. Je suis en train de me un dépôt. Je suis malade, je suis fort. Je suis en train de me faire un 22h. Je suis en train de me faire un casier. Je suis en train de me faire un casier. Je suis Je suis en train de faire des choses et je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en Je suis choqué. 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 On a reçu un grand vacances en Boko. Là, il besoin d'un zéla, t'en as gambé là. Monde à casier, t'en as gambé là. Bon, monde à casier, là, il y a Kisasa, t'en as gambé là. Difficulté, t'en as un zéla. Ma boxe, c'est un zéla. Oui, bon, salaire, parce que personne n'a bien, mon mousseau foutait bien, quand il m'a eu bien. A Olinga, il y a un terrasse, il y a un bar, mais le mois 2, mois 3, il y a un seul bungi, il se paie, mais le premier, il y a un seul bungi, il y a un terrasse à dépôt. Non, il y a un épisode côté cac. Mais il y a des années là. Il y a des années là, il y a des années tout ça, maintenant, tout ça, la difficulté à teka. Gouvernement, son abus, c'est une zéla. Et puis, ça, les formes, là, il y a des signes. Il se fait ça, il se bien. Pour 22 heures déjà, on a, tout ça, la difficulté dans teka. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de rester fidèles à Zoom Eco Live. Et pour rappel, Zoom Eco Live se retrouve aussi sur toutes les différentes plateformes et principalement sur YouTube. Restez connectés et vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir et à très vite.